Alors cette visite nous a paru très intéressante et très instructive. Elle nous a permis de découvrir comment on faisait l'huile de noix, ainsi que l'huile de noisette, de colza, et les rendements que ça a permis d'obtenir, c'est très bien. On voit quand même que c'est une fabrication locale, faite par des gens qui récupèrent les noix, qui les cassent eux-mêmes et qu'ils envoient ensuite au moulin. Donc déjà ça, et la simplicité du travail. Bah, tout d'abord, les meules, on ne s'attend pas à avoir des meules qui datent de 1920. On attend à voir quelque chose de beaucoup plus moderne, des machines automatisées, alors que c'est loin d'être le cas, parce qu'on voit encore des gens travailler manuellement, ce qui est très intéressant. L'huile de noisette nous a interloqué, l'huile de noisette, l'huile d'amande aussi, très très bonne, très fine. Et puis bien entendu, l'huile de noix, qui est très très bonne. Les vinaigres aussi, les vinaigres aux fruits de la passion, qui est absolument à déguster. Il est sûr que dans les prochains mois, si nous avons la famille qui vient nous voir, nous les amènerons ainsi que des amis, sans aucun doute.